Congratulations, guys, on speed climbing, Russia 1, the other country 0. Après les applaudissements, félicitations, alors mesdames et messieurs, on va passer maintenant du côté des podiums de la difficulté féminine. Je vais attendre que Eric me donne le feu vert parce qu'il y a des contrôles antidopage. Je pense qu'on peut y aller cette fois, on va les appeler de la 8e à la 1ère position. Lead, woman leads podium, please. The 8th best climber tonight. You have to come 8th position on the woman lead final. And she 8th position for the final ranking. Representing Russia, I would like to give a applause for Maria Kuznetsova, 8th position. On va attendre pour lui remettre les cadeaux. 7th position representing Korea. After a big mistake, I would like to make a plus for Shin Wonsung Korea. Allez, make a plus for Shin Wonsung, please, ladies and gentlemen. 5e du classement général de la Coupe du Monde, cette demoiselle. 6th position representing Russia, please. Big applause for Nadia Smirnova. Fifth position representing Russia, Maria Heber. Fourth position representing Russia, please. Big applause for Natalia Kulikova. And on the podium, third position, representing Korea, range applause for Hanae Song. Alors la médaille et les récompenses sont remises par Monsieur Vincent Ruffier, des M, conseiller municipal. Ladies and gentlemen, second position and a silver medal representing Switzerland after a wonderful performance. Please welcome Petra Klingler. C'est Monsieur Marc Beverly qui va remettre le trophée membre du bureau de l'UIAA. Vice-championne du monde du combiné en escalade, cette demoiselle. Elle est compétente, elle est très très forte, elle nous a fait une finale incroyable. And the Champagne-en-Valois winner tonight for this World Cup, representing Italy, gold medal winner Angelica Italy. Et c'est Monsieur Georges Elzière, Fritz, et Monsieur Fritz Richland qui vont remettre le président de la FFCAM et le président de l'UIA qui vont remettre la médaille d'or, le cadeau. Évidemment à l'italienne Angelica Renner qui a été juste exceptionnelle et qui surexcite bien à remporter l'étape de Champagne-en-Valoise. Belle, belle victoire. Ladies and gentlemen, please welcome the Italian anthem.
Forza Italia, bravissimo! Congratulations, Angelica. Wonderful final. Thank you very much, ladies. Allez, l'inscription va passer maintenant au dernier podium de la soirée. Men lead the podium. 8th position representing France, le 8e. J'espère que vous allez lui faire une ovation champagne-bavaroise. 8e de la Coupe du Monde, c'est son meilleur résultat de la saison. Après le podium. Garbolino, Bressa, 8e. Allez, France, je vais l'entendre, Octave. 8e de la Coupe du Monde, meilleur résultat cette saison sur la Coupe du Monde. Position representing Russia. Big applause for Mr. Maxim Tomilov, Russia. Maxim Tomilov, le meilleur grimpeur au monde. Quelle victoire, il se fait détrôner ici à Champagny-en-Vanoise. 6e position, il a fait une performance remarquable. Il a été bon dès hier les qualifications. Le 6e est français, applaudissements pour Pierre Fin. Et là, je peux vous dire qu'on se retrouve devant Maxim Tomilov, c'est juste une impression énormissime. J'ai entendu les Français, lâchez-vous. Sixth position representing Russia, big applause for Vassili Telkin. Incroyable, 4e position, 4th position tonight with a wonderful final representing Switzerland. I would like a big applause for Kevin Hauser. Ça a été une première partie avec Kevin Hauser, il a tenu le coup. Et la solution va arriver sur les marches du podium. On the podium, 3rd position tonight. C'est le grand frère, il va être content, il est 4e mondial. Third position representing Russia. Make some noise for Alexei Tomilov. Je crois que c'est la première fois de la saison qu'il est devant son frère. Incroyable, quel bonheur. C'est monsieur Yann Clavillier, directeur de l'office de promotion Grande Plagne, qui va remettre le trophée. It's the first time this season that Alexei is in front of his brother. Congratulations. Second position representing Switzerland with a wonderful final. Please, everybody make some noise for Yannick Latta, Switzerland! Incroyable Yannick Latta sur cette finale qui a été super rapide. Et qui nous sort la voix magnifiquement bien avec du temps d'avance. Yannick Latta, le Suisse! C'est Régis Ruffier des M, monsieur Régis Ruffier des M, ancien maire de Champagny, qui va remettre la médaille, le cadeau. Et alors messieurs là, celui qui a remporté la compétition, c'est le 2e mondial derrière Maxime, impossible d'aller chercher Maxime, il a remporté 4 Coupes du Monde, mais lui nous a fait une finale incroyable. Des Champagny-en-Vanoise, winner this season 2015, representing Korea, big noise for Ion Park, Korea! Lui aussi, c'est la première fois de la saison hein, qu'il passe devant le leader. Franchement, on lui fait une ovation à Ion Park. Alors c'est monsieur Fritz Richland, le président de l'UIA, et monsieur Georges Elzier, le président de l'FFTAM, qui remettent bien sûr la médaille, le quadro, le trophée.
Une ovation pour le numéro 1, le Coréen qui remporte Champagne en wagon à Hazen. Ladies and gentlemen, please welcome the Korean National Anthem. Champion, and after we will do a pick with all the volunteers. Allez, Ekaterina, come on, Ekaterina. Allez, if you win, if you're second, if you're third, come on, the pick. Elsa's breakdown. Allez, tout le monde, everybody, please. I miss some athletes and some champion. If you were on the third place, on the second place, on the first position, come on. If you're a boyfriend too. Yeah. Yeah. Look at the smile. Ali. Ali, s'il vous plaît, public de Champagne. Champagne on the kids, hein. Allez, on les applaudit très fort, s'il vous plaît, avec les enfants de la vallée. C'est beau, c'est magnifique. Venez un petit mot, je te laisse le micro pour réunir un peu toutes les bénévoles. Là, c'est le moment de la photo au collector qu'on mettra accroché, gravé sur la tour de Champagne en Vanoise. Ok. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un événement comme ça, ça repose beaucoup sur la mobilisation des bénévoles, leur abnégation. Donc, les bénévoles, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien venir? Vous avez été à la peine pendant okay, so just jours. Tell me about this workout for you. Allez, venez, I have a third time in the Champagne. Champagne is awesome because tomorrow a lot of beautiful eyes and good structure and kind of people. Allez, allez, I like that. Super. Thank you very much. Thank you. Les ouvreurs aussi. Allez. All the wood section, the players, the referee, the judge, please, volunteers, everybody, please come on the podium. Just tell me about this World Cup for you in Italian, and we'll translate later. Yes. Ah, okay.
Questa è una tappa di Coppa del Mondo che mi piace veramente molto. La torre è bellissima con tanto ghiaccio e adesso è la terza volta che ho partecipato qui, ero quarta, ero terza e ho veramente sperato tanto di poter vincere qua su questa struttura e adesso sono molto molto contenta. Grazie, bravo! Thank you! Je cherchais les Frenchies là. Merci. Monica, là, que là, vous immortalisez. Allez-y. Les deux Français, ouais. C'est bon. Avec la caisse. Il arrive, il va Ben merci, monsieur le directeur. C'est même pour un bossé, hein. Non, je voudrais un bon point, merci à tous les bénévoles, toute l'équipe, le staff. Merci à toutes et à tous. Je l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est quand même Étienne Guillot qui a démarré cette aventure de la soirée. Ici à Chaparral. Tout le monde était au top. Ouais. Voilà, merci à toutes et à tous. Bravo, félicitations. Merci, Christian. Vous allez bien. Il faut remettre ça très vite. Merci beaucoup, monsieur le roi. Merci aux ouvreurs, merci aux assureurs. Ouais, dans l'octave peut-être. Ouais, on va voir. Ah, Eric, il s'est jamais fait de soucis pendant toute la durée de. On attend le deuxième. Il devait dormir à peu près une demi-heure par nuit et tout allait bien. Merci à Denis et à Christophe. Ok, alors. Qui ont été beaucoup là. À tous les responsables de commission. Okay. Octave, deux Français en finale, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Ah bah c'est juste génial, hein. Nous on était à la maison, toute l'équipe de France là derrière nous, enfin génial, hein. Super moment, moment de plaisir, moment de fun, c'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on s'entraîne, vraiment, c'est vraiment du partage avec toute l'équipe, tout le monde, Pierrick, voilà, juste du plaisir. Vraiment. Un petit mot pour Jean. Pour qui? Ah ouais, bah pareil, hein, gros merci, gros big up. Super. Fait le job, c'est super. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci. Pierrick, est-ce que tu peux nous raconter comment t'as vécu cette compétition, toi? Bah c'est vraiment monté en puissance. Au début, je pensais pas faire les demi-finales. J'ai réussi à me qualifier en demi-finale, déjà c'est génial, c'est que du plaisir. Puis c'est monté, quand j'ai grimpé je me suis fait plaisir, c'était que du bonheur et puis du coup les finales. Et après, voilà, c'est vraiment monté en puissance et ça c'était vraiment génial. Il y a eu un petit suspense quand même jusqu'au bout, il y en a qui ont chuté, raconte-nous vraiment la fin. Ben, à la fin il y avait du suspense, oui, mais après on était surtout là pour se faire plaisir, donc au final on s'était fait plaisir, donc pour le plaisir il n'y avait pas de suspense. Un dernier petit mot, Octave, juste nous parler de Champagny, de cette tour de glace, de ce site qui est un peu exceptionnel. Voilà, parle-nous un petit peu de ça. C'est complètement unique au monde. C'est une tour qui fait rêver le monde entier. Vraiment ici, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de glace, donc ça se rapproche vraiment de notre sport naturel. Voilà, après, ici, on est toujours bien accueillis. Franchement, Champagny, c'est un des plus beaux villages de France. Esprit montagne, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer, donc c'est super, quoi. Dernier petit mot avec Pierrick, juste comment on peut imaginer l'avenir de l'équipe de France? Bah on peut que bien l'imaginer, j'espère que ça va monter en puissance, et voilà, j'espère que ça va continuer comme c'est parti. Super, merci beaucoup messieurs, félicitations. Ouais, merci, hein. Super. Vous faites un petit... Vous mettez un peu tout
tous les deux et puis check, vous faites un petit... Super. Super les gars. Now the place, now the town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, to get my thoughts back off the ground, walking down now the street, passing by people meet, anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind, well, I guess it's kind of sign, don't take long to realize, I think it's time, so I'll raise my voice, and I am running around, looking for you.
people will always have a desire to explore. Sure, there's a little bit of danger in the unknown. But human beings, I find, just don't back away from something that is a challenge. We feel that this stands as a symbol of the curiosity of all mankind to explore the unknown.